tout le monde, c'est Charty en compagnie de Jay-Z. Et donc on se retrouve pour la suite de Spectrop. Vous m'avez vu régler le micro, c'est normal. Non, ils le verront pas. Si, si, ils le verront. C'est pas grave, mais s'ils le voient, c'est pas grave. Ouais. Donc on se retrouve enfin pour la suite de Spectrob. Attends, je regarde juste quand même pour la voix, parce que ça m'inquiète un petit peu. Oh oui, c'est parfait. Donc, on se retrouve... Oula, j'enlève la souris. On se retrouve pour la suite de Spectrob. Ça faisait longtemps, autant vous le dire. Ouais. Vous voyez que notre voix, elle est mieux, là. Normal, on a un nouveau micro. Donc, on va pas s'attarder, je vais direct faire ce que j'ai à faire. Tellement logique ce que je dis. Alors vous voyez que là je me dirige en ce moment même, actuellement, là, tout de suite, maintenant, vers l'incubateur. Parce que il faut faire évoluer les monstres que j'ai dans mon équipe. Parce que on a fait pas mal de off. Et... Ah, t'as récupéré la partie. Ah oui, c'est vrai que tu l'avais dit. Oui, j'ai récupéré la partie, oui. Donc on va pouvoir tout remontrer. Juste par contre, ça va me saouler. Voilà, parfait. Alors, ça va prendre un peu de temps, mais après, au moins, on va défoncer Madja. Plutôt facilement, même. Plutôt easyment. Donc, vous, les Minus, vous dégagez. Hein, et veuillez laisser place à ma bande de petits beurres. On n'est pas des racistes. Enfin, si, justement, on est des racistes. On va les trier, en fait. C'est lui le bon Spyball, oui. Oui. T'es sûr? Ouais, même si on l'aime pas trop en fait. T'es sûr que c'est lui? Oui. Je crois pas qu'en fait on avait ramassé l'XP et tout ça. Les mini-rocks et tout ça. Je suis pas sûr. Si, si. Et c'est qui le dernier qui nous manque le... Ah bah, oui, je sais. On les a tous, mais en fait c'est parce qu'il faut bien que je pense à leur faire un truc. Donc on va les faire évoluer en troisième stade d'évolution. Et ne dites pas qu'on a cheaté, parce que Jay-Z a passé plus de je sais plus combien de temps à chercher les mini-rocks pour les faire évoluer, justement. Donc ne dites pas qu'on a cheaté, parce que là, ça me saoulerait. Hein. On était sur Skype en plus ensemble. Ah ouais, c'est vrai, on était sur Skype à ce moment-là. Donc j'espère que vous êtes contents. Là, on est posé en train de faire les séries. Celui-là qui était bizarre, on a pas compris pour lui. Ouais, on va tourner pas mal d'épis là pour que vous en ayez pendant les vacs. Ouais. Le maximum possible. Exactement. Puis au pire, le reste, on tournera pendant les vagues, justement. Bah, on sera tranquille pendant les vagues, donc ouais. Ouais, exactement. Par contre, l'incubateur fait un peu bugger le jeu, hein, autant le dire, mais bon. On peut pas avoir la qualité et la performance en même temps. Enfin, si tu peux l'avoir, mais il faut avoir un bon ordi. Oui, ça c'est clair. C'est une évolution qui est complètement badass à lui. Ah ouais, lui, son évolution est tellement cheatée. Elle a pas l'air, mais bon. Oh, ça va, ça enregistre bien le son. Nickel. Ok. Elle a pas l'air comme ça, mais... Enfin, il a pas l'air. Respectons-le, c'est quand même un mec. Hein. Un peu de respect. Enfin, on en sort là, en fait. Un peu de respect pour Taupe. Et vous voyez qu'ils sont assez cheatés en PV. Hein. 1414, 1100... Enfin, voilà, dans les 1000, quoi. Sauf que lui, ben, comme vous pouvez le voir, l'attaque... Ouais, il a baissé en attaque. Mais ça, c'est pas un souci. On les a tous fait évoluer, là? Ouais. Non, pas lui. Ah si, Ziroto. Je suis vraiment con des fois. Incubateur, je suis con, encore une fois. Et je te rappelle un truc, pas besoin d'avoir les deux pour le combat de Madja. Pas besoin d'utiliser les deux Spectrum Nord. Oui, je sais. On s'était fait avoir... Ouais. Laissez tomber les gens, on parle entre Jay-Z et moi. Hein. Ouais. Après tout, hein. Vous en foutez. Non, je rigole. Alors... où sont mes spectrobes? Tout en bas. Oh. Parce qu'ils sont dans le rayon des machins de niveau 3. En mode dans cool star. Les spectrobes de niveau 3 là en fait. Oh, et lui, triplé, hein, les gens. Il était badass. Il était mais tellement cheaté. Il était what the fuck. Alors par contre, vous vous souvenez peut-être que celui-là, on avait dit que c'était de la merde. Donc justement, on va le vec. On va le virer tout de suite. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, Evolvo, dans les commentaires d'une des vidéos de Spectrob, là, récemment, enfin, récemment, ça date quand même d'un mois maintenant, mais voilà, m'a donné quelques... Donc, Evolvo, il m'a donné quelques conseils, quelques Spectrob à aller chercher, justement, sur les planètes. J'ai même fait une liste, elle est dans ma chambre, mais là, j'ai la flemme d'aller la chercher.
Il m'a fait une liste avec des spectrums intéressants et on en a cherché un justement type Flash, Pagopod. On a mis longtemps, enfin j'ai mis longtemps. Ouais. Et juste au moment où on a arrêté de se parler. Ouais, encore une fois, je vais baisser le son de mon casque. Voilà. Encore une fois, c'est Jay-Z qui a cherché les spectrums. Parce qu'au début, il pouvait pas, mais maintenant c'est. Et donc, oula. Oula, c'est quel bouton, Jay-Z ? Derrière. Non. Alors, on n'a pas paramétré ce bouton. Bizarre. Attendez, les gens. Attendez. Control config. Non, c'est OK. OK, c'est où ? Cancel. Config. C'est OK. C'est les touches du jeu, en fait. Et qu'est-ce qu'on avait mis ? On avait mis... C'est lequel, déjà ? Ah, non. On n'a rien mis du tout. Microphone. On va mettre celui-là. Parfait. OK. Allez. Alors voilà. Celui-là, en plus, vous avez pu voir qu'il avait une couronne. Exactement. C'est pour. C'est parce que tu as fait un perfect, je crois. Ouais. Donc, du coup, on va pouvoir le faire évoluer tout de suite, directement. Ouais. Donc, en fait, vas-y, explique-leur quand tu l'as eu, en fait. Explique-leur pourquoi, justement, parce qu'ils vont peut-être pas comprendre tout de suite. De quoi ? Pour le perfect, tout ça, il faut que tu leur expliques. Ah oui, le perfect, c'est en gros quand on reçoit le fossile à 100%. Voilà, sans l'abîmer, quand on creuse dans la terre. Voilà. On est précis, quoi. Et voilà. Et donc à ce moment-là, vu qu'il est perfect, donc parfait, oui, ben, vous comprenez quand même, ben, à ce moment-là, il peut évoluer directement. Voilà, donc sans lui donner de mini-rock. Vous voyez que là, il est prêt directement à évoluer. C'est une économie. Et vous voyez qu'il est déjà plutôt badass. En PV, je parle, bien sûr. Même en attaque, pour un level 13. Ouais, pour un level 13, voilà. Donc, il est niveau 13. On va déjà le mettre dans notre équipe, hein, même si... C'est juste histoire qu'il gagne de l'XP et qu'il... soit un peu meilleur. Ou à ce moment-là, on fera du off. On fera du off. Tellement bien dit. Dans les niveaux 2, donc il est là. Skieur. Bon, maintenant les gens, si ça vous dérange pas, on va aller niquer Nadja, parce que là j'en ai vraiment marre. Nadja, tu me saoules. Nadja, tu nous saoules. Tu saoules les viewers aussi. Avouez qu'elle vous saoule. À force de l'avoir fait aussi, nous. Ouais. On l'a pas fait qu'une seule fois. Ah oui. Donc on a rien à foutre sur Yoga en fait. Ouais, c'était juste pour chercher justement le monstre, le spectrobe là. Exactement, Jay-Z. Alors, nous prenons le portail. Nous sortons de la zone 1. Oui. On va passer, bien sûr, le vol. À part si tu veux vraiment le faire. Même. De quoi ? Le vol, on va le passer. À part si tu veux vraiment le faire. Tu veux qu'on fasse une ellipse ? Non, mais je veux dire faire passer, là, tu vois. Ah oui, oui, bah ça, oui, comme d'habitude, quoi. Oui. Là, j'espère que vous êtes content du retour de Spectrop, parce que voilà, moi je suis content globalement, ça fait tellement longtemps, ça fait plaisir de rejouer à ce jeu. Vous allez peut-être dire, ouais, c'est un retour un peu normal, quoi, enfin, on s'est pas cassé la tête pour le retour, mais voilà, quoi. Faut dire que les dernières semaines, on n'a pas tellement eu le temps de tourner, c'est peut-être un peu pour ça. Okay. Puis on va, à cause des bugs de l'ordi, déjà... Et aussi à cause des brevets blancs. Ah oui, bah d'ailleurs, tiens, vu qu'on parle du brevet blanc, on en a pas tellement parlé dans la vidéo blabla. T'as déjà eu tes résultats ? Oui. On leur dit ou pas ? Ça dépend. On leur annonce le massacre ? Enfin, ça va, c'est pas un massacre total. Bon bah... On a eu quand même des bonnes notes comparées à ça. T'as déjà eu l'histoire, toi, ou pas ? Non. Ah, j'ai eu que maths et français, moi. Et encore pas la rédaction en français. Voilà, donc en plus on n'a pas tous les points en français, donc on peut pas vraiment dire si on a réussi. Ouais, ouais, ouais. Moi en français, bon. J'ai tout pile la moyenne. Vas-y, t'as combien ? 12,5 sur 25. C'est ouais. Chaud, hein. Sachant que la rédaction vaut 15 points encore. Ouais. Donc en tout, ça fait une note sur 40. Mais je vais la rater, la réelle. En maths, t'as eu combien ? 21 sur 40. 21 sur 40. Alors moi, j'ai eu 27,5 sur 40 en maths. Mmh. Et en français, sur la question... des questions dictées sur 25 points, j'ai eu 22 points. C'est déjà pas mal, on va dire. Maintenant, j'attends de voir la rédaction si. 22 sur 25. Je suis un gros bâtard, hein. Ok. Bon. Ok, là tu fais moi ton fier, hein, connard. Ouais, mais en écriture, mais j'ai
tous les ponts. Ah, en réécriture aussi, j'étais badass. En dictée, j'ai fait deux fautes cons. Je sais plus, c'était creuser. Creuser, j'ai écrit C-R-E. Alors que c'est C-R-E-U. S-A-I-T. Ouais, ouais, mais c'est ça, c'est à cause du prof. Comme tu le sais. Ah oui, oui. Mais ça, on va pas trop leur expliquer parce que. C'est le coup aisé. C'est le car qui est populaire. Bon, C'était bien populeux. Populaire. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a comme monstre majeur? Je sais qu'il fallait lui. Et lui, ça suffit. Elle avait un type plante, un type eau. T'es sûr? Type plante et eau. Mais attends, dans ce cas. Non, type plante et feu. T'es sûr que feu? Feu, oui. Elle avait. Comment il s'appelait? C'est un monstre basique. Bah oui, type plante et feu, c'est pour ça qu'il nous faut eau et feu. Ouais. Feu pour le type plante, eau pour le type feu. Ouais, mais à ce moment-là, t'aurais dû prendre. Non, non, non. Il enchaîne mieux? Oui, il enchaîne mieux, je crois. Il enchaîne Léon, largement. Oui. Non, mais pas Léon. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'on a les deux monstres de l'intro, hein. Swag. Ouais, bon, c'est lui qui enchaîne le mieux, c'est triplé. Mais bon, comme Léon est niveau 31, j'ai autant envie de le prendre pour l'XP, quoi. Enfin, voilà. Enfin, il enchaîne mieux, c'est surtout qu'en fait, il fait masse de dégâts. Qui ça, Léon? Léon. Non, l'autre, comment il s'appelle? Triplé. Triplé, voilà. D'ailleurs, lui, on n'a pas besoin de rechanger son nom parce qu'il était déjà 3 au départ. Là, ils sont de nouveau 3. Enfin, là, il a plutôt 4 têtes, mais bon. Ah ouais. Plus celle au milieu. Enfin, si c'est des têtes, en fait. Bon, on s'en fiche. Wow. Il gardera son nom et puis c'est tout. Il gardera son nom, il viendra pas nous casser les couilles. Ok, triplé. Ok, triplé, j'ai pas bien entendu. Là, tu t'excuses auprès de ton maître. Hein? T'as pas le droit de me parler mal. Triplé, je te parle. Les mecs derrière leur écran, ils vont me dire mais tu parles à tes monstres? Mais t'es con? Oui, là plutôt, oui. Mais Charty, qu'est-ce que tu fais? Es-tu con? Dislike. Non, je rigole. Si vous faites ça. D'ailleurs, il y a un rageux qui dislike les vidéos en ce moment. Je sais pas qui c'est, mais. Toutes? Si je le chope, c'est le gars qui commence à se vénérer. Toutes les vidéos? Ouais. Et je crois que c'est quelqu'un qui nous connaît en fait. Dans la vraie vie. Moi aussi j'y ai pensé. Oh, j'ai gagné un grade. On pense à la même personne, mais bon. Oh, niveau 3, mon gars. Est-ce que j'ai déjà l'équipement niveau 3 sur moi? Non. On ira l'acheter après. Le mec, mais alors comment on gagne en grade? Il m'avait donné une boule là, le méchant ou pas? Parce que normalement il donne des trucs, tu vois. Bah oui, je l'ai pas tué, c'est pour ça que ça me paraissait bizarre en fait. J'aime pas cette zone qui lag un peu. Fils de pute de tornade de merde. Un peu de respect. Parle pas mal. Vous allez dire, ouais, Charty, tu fuis, t'es un enculé, tu bah fuis. Oui. Mais c'est la vie. C'est la vie. C'est une tapette. La vie, c'est de fuir. Faut toujours fuir devant ses ennemis. Si on les affronte en face, ça fait de vous un mec badass. Et ça, il faut pas. Ça, il faut pas. Non, 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 faut pas vous montrer fort. Faut, ça, reculer, ça fait frimeur aussi, faut reculer devant les obstacles. Toujours. Moi, c'est ce qu'on m'a appris. On m'a dit, recule devant les obstacles. Tu seras une grosse tapette. Et aujourd'hui, je suis une grosse tapette. Ouais. Merci à celui qui m'a conseillé de faire ça. Grâce à lui, aujourd'hui, je vous le dis clairement, je suis une grosse tapette. Vous ragez, hein. Vous aimeriez bien... Contre, pourquoi t'as utilisé un sérum sur Zirotor qui avait toutes ses vies? Parce que je suis con. Et oui. Parce que je suis une tapette. Oui, t'es vachement con, t'es vachement une tapette. Argue ! Je dois reprendre mes esprits et l'abattre si je veux sauver Nanero. Ha 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 ! C'est l'heure du coup de grâce. Ça, c'est toi qui le dis, ma petite. On va mourir. Parce qu'on n'a pas pris le gros badass. Ce que je m'en rappelle, c'est grâce à lui qu'on avait gagné. Parce qu'on les avait enchaînés un coup... Alors là, Charty est concentré, autant vous le dire. Ouais, mais on s'en fiche. Puis ça fait tellement longtemps que j'ai pas... Bon, j'allais dire, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas joué, mais en tout cas, on la défonce. Voilà. Non. T'as perdu 200 points de vie. Donc une grosse... Eh, Léon, monte au niveau 32. C'était quoi, le Darkium, c'est ça? Que t'as reçu? J'ai reçu un objet? Oui, une étoile, mais en fait, ténébreuse. Enfin, noir. Ouais, bon, bref. Tu lis ou je lis?
Impossible, comment as-tu pu maîtriser les spectrums noirs aussi rapidement? Ce sont mes amis, quoi qu'il arrive. Ouais, faut que je refasse la voix de tapette. C'est terminé pour vous et pour les grands Krauls. Les Krauls sont vraiment bêtes, comme leurs pieds. Non, 3 points de suspension, attends, respecte quand même. 3 points de suspension. Les spectrums noirs restent des spectrums. Ce n'est pas parce qu'ils sont noirs et plus puissants qu'ils sont différents. Mais là, on dirait en fait un gay là qui parle. Vous en servez pour mettre en exécution vos sales petits plans. Votre cœur est noir comme cette planète. C'est pour ça que mes spectrums sont plus forts et que j'ai gagné, Maja. Trois points de suspension. Trois points de suspension. De bien grands mots pour un si petit homme. Point d'exclamation. Si tu crois que je ne peux pas mieux faire, 3 points de suspension. Alors, virgule. Tu te trompes complètement, point. Tu vas le regretter, point d'exclamation. Là, on dirait qu'elle parle au point d'exclamation, tu sais. Tu vas le regretter, sale point d'exclamation, va. Un jour, tu paieras pour l'affront que tu m'as fait. Je te le jure. Je le jure. Ça aurait été mieux, je te le jure. Ouais. Ah, c'était je le jure ? Ouais. C'est pas joli. Mais elle sait pas parler. Ouais. En même temps. Elle se trompe si elle croit pouvoir me battre. Mais je ferais bien de faire évoluer mes spectrums adultes. Mais. Au cas où, t'aurais pas remarqué, Ralen, j'ai déjà fait évoluer mes spectrums adultes. Qu'est-ce qu'il est court celui-là ? Tu veux faire la meuf ou je fais la meuf ? Ralen, tout va bien. Ok, tu rigoles ? C'est comme si j'avais gagné à la loterie. J'ai vaincu Maja. C'est super, Ralen. Je savais que tu en étais capable, chérie. Je rentre au croiseur. Le commandant va être ravi d'entendre ça. J'en suis sûr. À tout de suite, mon chéri. Ces petits bisous qui passent bien, comme ça, tu vois. Ce soir, il Viens, Gina, viens. Ce soir, ils vont faire des préliminaires. Non. Non. Un peu de politesse. Viens. J'emmène ta mère dans les airs. Ça fait une hirondelle, d'elle. Ah. Ça fait d'elle. La hirondelle. Mais elle n'est pas très belle. Quand elle danse en dentelle. Ces gars commencent à faire des trucs chelous, là. Oula. Tintin. Dégage. Ouais, c'est ça, en fait, qu'il faut prendre. Je fais le tour du lac sombre. Il est con. Ouais. Monsieur Charty, êtes-vous normal? Non, monsieur, j'ai un symptôme peu commun. J'ai la tapette attitude. Exactement. J'avais pas terminé de parler de moi, en fait. Tout à l'heure, j'ai dit que j'étais une grosse tapette. Et j'avais pas fini de continuer à parler. Alors laissez-moi reprendre. J'avais dit... Vous êtes jaloux que ce soit une tapette. Grâce au conseil qu'on m'a donné, je suis devenu une grosse tapette. Vous aussi, rejoignez-moi. Faites vos grosses tapettes. Non. Allez sur le site... Allez sur le site www.chartytapette.fr. Un professionnel vous donnera des conseils pour fuir tous les combats. Et surtout, pleurez dès que vous recevez un coup. Ou même, chialez votre mère. Oui, c'est mieux ça. Parce que si vous chialez votre mère... Vous paraissez encore plus grosse tapette. Et ça, c'est la vie. Et ça, j'achète. Voilà. Et ça, j'achète. Donc, attendez, je regarde juste à combien de minutes. 18 minutes. Bon, on va voir le dialogue de... 19 minutes. C'est ouais. Juste que t'es bidule. 19. Bon, on fait le dialogue et on se quitte là, je sais, petit épisode, mais... Dites-vous mais on que... en a fait des gros tout à l'heure. Dites-vous que plus on fait vrai. Des petits épisodes... Eh ben, plus on peut en tourner et plus il y en aura. Voilà. Gina, appelle le commandant. D'accord. Rapproche-toi du micro, par contre, comme ça. Non, ça va casser. Non, pas à ce point-là. D'accord. Ouais, mais non, mais de là, en montant, hein, ils sont quand même pas normalement, sourds. Normalement, ouais. Brut. Ici le commandant Grant. Qu'a-t-il, Ralen ? J'ai récupéré les... Non, là, faut plus faire la voix de tapette. La voix de tapette, c'est que contre les grands Krauls, on a dit. J'ai récupéré les fossiles et les cristaux volés sur Darkmoss. Et j'ai vaincu Maja. Ah, bien joué, Ralen. En fait, il s'en fout, tu vois. Il faut la voix de blaser. Vous nous avez rendu l'espoir. J'espère que nous pourrons... Non, attends.
J'espère que nous pourrons. Non, faut faire vraiment le blasé pour changer le diable à Og. Vous nous avez rendu l'espoir. J'espère que nous pourrons vaincre le grand Krauls. Mais le pire. Non, là... mais le pire reste à venir. J'en ai bien peur. La gueule. Revenez sur Kona pour prendre un repos bien mérité. Bloup, bloup. Ralen ? Ah non, c'est à toi. Professeur, tout va bien ? Malheureusement, non. Les grands Krauss ont détruit la tour de Zippa. T'es pas obligé de te toucher les tétons. Quoi ? T'as déjà l'envie. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ralen, Gina, il faut que vous rendiez sur Zippa. Ah ouais, ça le fait bien avec la voix russe. Ralen, Gina, il faut que vous vous rendiez sur Zippa au plus vite. Je garde si je veux, ok. Moi, Staline, moi, grand commandant, moi, russe, moi, soviétique, URSS. Bien reçu, commandant. Bien reçu, commandant. Allez, Gina, c'est parti. Ok. Elle est un peu simple d'esprit, en fait, elle. Et donc, les gens, c'est dans le prochain épisode qu'on ira sur cette fameuse planète Zippa. Je ne vous spoile rien. En attendant, demain, DQM, normalement, là on reprend un planning assez serré, j'espère qu'on va tenir le coup, j'espère que ça vous plaira aussi, donc en attendant, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, ça fera toujours plaisir, et mettre un petit like, oui je l'ai déjà dit, liker, c'est bien, donc en attendant, moi et Jazz, on vous dit bye tout le monde. Salut.